Voilà, on est à la fin de la journée, donc ça a été une belle journée déjà pour une première raison, c'est que j'ai pu apprécier le soleil, j'ai eu beaucoup de gratitude dans la journée, avoir la piscine comme ça dès le matin, le soleil, pouvoir profiter du soleil alors qu'on est en février, ça a été vraiment pour moi très ressourçant, en plus on a une super vue sur la nature donc c'est très très sympa. J'avais aussi envie de te partager un truc, c'est que je vois beaucoup de personnes qui se plaignent en disant j'arrive pas à réaliser mes rêves, j'arrive pas à avancer dans mes objectifs et en fait sont très focalisés sur éviter de la douleur et dès que ça devient un petit peu inconfortable, ils arrêtent en fait. Dès que c'est pas facile, ils arrêtent, dès qu'ils sont fatigués, ils arrêtent, dès qu'il y a une critique, ils arrêtent. Et c'est pas possible en fait d'aller réaliser la vie qui t'inspire si à chaque fois que c'est un petit peu difficile, tu mets pas le paquet. Et je comprends que c'est pas forcément évident, je le vois bien pour moi, il y a des fois c'est pas évident. Par exemple, là, on est en décalage horaire de 9h, je vais avoir un peu une chute d'énergie à 16h. C'est pas forcément évident et ce qui m'aide à maintenir l'énergie et aller jusqu'au bout, c'est de rester connecté à la vision. Par exemple, ce matin, j'ai fait de la paperasse, j'ai fait de la comptabilité, j'ai répondu à des mails, j'ai géré des aspects comptables, l'aspect juridique pour la création de la structure à Londres. On est en train de voir pour organiser les conférences à Los Angeles là, dans quelques jours. J'ai fait plein de trucs qui en soi sur le papier, si tu me demandes David à quel point t'aimes faire ça, si je prends la tâche elle-même, je te dirais j'aime ça à 3 sur 10. Et pourtant, j'ai pas la sensation de me sentir mal dans ma journée parce que je reste connecté au jeu global. C'est-à-dire que si je regarde juste au niveau micro, c'est chiant, mais au niveau macro, c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, elles perdent de vue pourquoi elles font ce qu'elles font, elles perdent de vue l'objectif. C'est-à-dire que si tu prends une maman ou un papa qui est en train d'essuyer les fesses de son fils, il y a plein de caca de partout et tu lui demandes c'est comment de faire ça? Franchement, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de parents qui disent ah, c'est l'éclat total et j'adore ça. Donc si tu regardes au niveau micro, faire ça c'est horrible d'avoir des enfants, si tu regardes au niveau macro, pour beaucoup de personnes qui sont parents, ils te disent waouh, c'est une expérience qui est incroyable. Mais il faut regarder plus loin. Et moi, c'est ce qui m'aide à aller plus loin, c'est me dire ok, c'est pas le truc le plus sexy la compta, c'est pas le truc le plus sexy de faire ce script là, mais je vais réaliser mes rêves, je vais inspirer des milliers, millions de personnes à vivre une vie incroyable, je vais être fier de moi ce soir, je vais apprendre, je vais grandir. Et donc voilà le message que j'avais envie de te donner. Ça n'empêche pas de profiter un peu du soleil, de se mettre dans des conditions de travail qui sont top, mais c'est important de se rappeler, bouge ton putain de cul. En tout cas, le message il est de dire, même si inconfortable, si tu restes connecté au pourquoi et au rêve, tu feras des choses que les autres ne feront pas. Et c'est en faisant des choses que les autres ne feront pas que tu vas te créer une vie que les autres n'auront pas. Et j'adore ce que m'avait dit Darren Hardy quand je lui avais demandé mais comment foirer sa vie. Et il se marre et il me dit David, tu veux foirer ta vie, c'est très simple. Tu regardes ce que les gens mangent et tu manges pareil. Tu regardes ce que les gens regardent à la télé et tu regardes pareil. Read what everybody reads. Watch what everybody watches. Eat what everybody else eats. So if you want to be a loser, just do what everybody else does. Et c'était trash, c'était hard, mais quelque part il a raison. C'est-à-dire que si tu fais comme la plupart des gens, ils n'ont pas une vie qui les inspire. La plupart des gens, ils se trouvent des excuses, ils finissent leur vie en se disant merde, je suis passé à côté de ma vie, j'ai pas eu les rencontres que je voulais. Et ça ne sera pas ton cas. Si tu regardes ces épisodes, c'est parce que tu as envie de te bouger et tu as envie de faire ne serait-ce que des petites choses qui t'honorent. Donc le soleil va partir dans quelques minutes. Je te souhaite une excellente soirée. À très très vite. Si t'as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.